Lakini roho ni hai kwa sababu ya haki. Lakini, kama roho yake yeye aliyefufua Yesu katika wafu anakaa ndani yenu, yeye aliyefufua Kristo katika wafu atawapa uzima kwa miili yenu iliyo katika hali ya kufa kwa sababu ya roho yake anayekaa ndani yenu. Priotus tuombe sote pamoja. Bwana Mungu, tumesoma neno lako. Ulibariki na kubariki watu wako. Tunapoliongea upate kulitia uzima kwa ajili ya kila kiumbe chako kilicho hapa. Utukubali Mungu na kutusaidia ili tupate kuwa chini ya uongozi wako tangu mwanzo mpaka mwisho. Jina la Yesu Kristo tunafunga udhaifu wote. Kama kungekuwa mgonjwa apate kuponywa, kama kungekuwa mwenye hataelewa tufungue masikio ya moyo ili kile upandaa kwa ajili ya ibada ya leo kila mtu wako aweze kukishika na kimsaidia katika safari. Jina la Bwana wetu Yesu Kristo, amen. Asiyono mkae. Nous disons bienvenue à tout le monde. Tunasema karibu kwa wote. Que le Seigneur vous bénisse. Mungu awabariki. Nous voulons dire d'abord bienvenue à tout le monde. Tunapenda sema kwanza karibu kwa wote. Que le Seigneur bénisse ceux qui sont venus adorer avec nous aujourd'hui. Mungu abariki wote waliokuja abudu pamoja nasi leo. Les visiteurs, wageni, les gens qui nous suivent en ligne, wenye kutufuata kwa mtandao, les gens qui suivront la prédication après, na wale watakaofuata mahubiri haya baadaye, et toutes les autres personnes, na watu wengine wote wale, qui ont prié, walioomba, pour que ils aient ce culte, ili kwamba wawe na ibada hii, d'aujourd'hui, ya leo. Nous allons bénir un couple. Tuta bariki Josie Leo. Nous disons bienvenue au couple Jean. Tunasema karibu kwa wanandoa Jean. Avec sa chérie là-bas. Na mpenzi wake hapo. Nous disons bienvenue à tous leurs familiers. Tunasema karibu kwa wa jamaa wote. Et à tous ceux qui les ont accompagnés. Na tunasema karibu kwa wote waliowasindikiza. Disons bienvenue. Tunasema karibu à la présence des anges. Kwa uwepo wa malaika. Parce que les anges campent là où les enfants de Dieu adorent. Sababu wa malaika hufanya kituo pahali wana wa Mungu wanapoabudia. C'est la promesse de Dieu. Ni ahadi ya Mungu. Que partout là où les enfants de Dieu seront. Ya kuwa popote watakapokuwa wana wa Mungu. Non pas seulement que lui-même sera au milieu d'eux. Si kwamba tu kwamba Mungu atakuwa miongoni mwao. Mais aussi que les anges campent autour des enfants de Dieu. Bali pia wa malaika ufanya kituo kando ya wana wa Mungu. Alors nous disons merci à tous ceux qui sont venus. Kwa hiyo tunashukuru wote waliokuja. Et tous ceux qui ont prié. Na wote walioomba. Pour le culte d'aujourd'hui. Wakiombea ibada ya leo. Ayons l'habitude de prier pour le culte chaque samedi. Ayons l'habitude de prier pour nos cultes chaque samedi. Tuwe na tabia kwa tunaombea ibada zetu kila siku ya sita. C'est une chose très importante. Ni jambo la muhimu sana. Surtout zaidi sana que nous ne devons pas aller dans un culte pour lequel nous n'avons pas prié. Hatupaswe kuwa na enda mu ibada ambayo hatukuombea. Nous devons dire à Dieu. Tunapaswa ambia Mungu. Demain j'irai au culte. Eti Mungu kesho nitaenda kwenye ibada. Prepare-moi quelque chose qui me sera utile. Kwa hiyo niandalie kitu kitakachonifalia. Alors nous disons merci. Tunashukuru sana. Et si nous avons commencé à 8h juste. Na ikiwa tulianza na saa 2 kamili. D'habitude notre prédication commence toujours à 8h. Kwa kawaida ibada yetu inaanzaka na saa 2. Et c'est pourquoi. Na ndio maana vous avez vu que nous avons fait ça comme prévu toujours. Munaona kuwa tulifanya sawa vile inaandaliwa kila siku. Maintenant
Sasa, nous commencerons par la prédication. Anzia kwa mahubiri, la suite du sujet de dimanche. Mwendeleo ya somo la Jumapili liyopita. Après, kisha, nous allons bénir les couples ici. Tutabariki wanandoa hapa. Et nous allons rentrer. Na kwa hiyo, mtarudi. Je ferai de mon mieux pour être rapide. Nitajitahidi kwenda mbio. Parce que la bénédiction, elle ne prendra pas plus de 30 minutes. Sababu kubariki wanandoa haitagharimu hata dakika kumi. Nous n'allons pas prêcher sur les couples et les mariages, non. Hatutahubiri mahubiri ya wanandoa pana. Aujourd'hui, après la prédication, leo kisha mahubiri, directement nous allons les bénir. Papo hapo tutawabariki. Et puis vous allez rentrer. Na kisha mtarudi. Il est 8h09. Sambili na dakika kenda. Je crois qu'à 10h on aura fini. Dans 2h on aura fini. Fikiria kuwa katika sambili, maana yake saa 4 tutakuwa tumemaliza. Et je crois que même à 10h c'est pendant que les autres commencent d'aller à leurs églises. Kwanza ninawazia kwamba kwa saa hizo ndipo muda wa watu wa moja wana endea kazi zao. Nous disons merci à cette église. Tunashukuru kanisa hili. Parce que c'est rare des fois. Maana ni marahaba. Qu'on peut trouver les gens assis avant 8h. Ukute watu wamekwisha keti kanisani kabla ya sambili. C'est exceptionnel. Ni jambo la kipeke. Et je sais que vous êtes venu. Na jua ya kuwa mulikuja. Pas pour m'écouter. Si kwa kunisikiliza mimi. Vous êtes venu pour écouter la parole de Dieu. Bali mulikuja kusikiliza neno la Mungu. Alors nous allons prier. Kwa hiyo tutaomba. Que le Seigneur nous donne. Kwamba Mungu atujalie. Ce qui va vous aider. Na atawasaidia. Qui a fait que vous veniez le plus tôt possible. Qui a fait que vous veniez le plus tôt possible. Aliye acha munakuja mapema. C'est ce que je souhaite que le Seigneur vous donne. Ni iyo nina tarajia kwamba Mungu awape. Alors, kwa hiyo, notre sujet d'aujourd'hui somo letu la leo, dit ceci. La sema hivi. Les 12 fonctions du Saint-Esprit. Zile kazi kumi na mbili za Roho Mtakatifu. Les 12 fonctions kazi kumi na mbili du Saint-Esprit za Roho Mtakatifu. Et évidence, les évidences. Na uhakikisho. Uhakikisho. Les 12 fonctions. Kazi kumi na mbili. Les 12 choses que le Saint-Esprit fait. Vitu kumi na viwili afanyavyo Roho Mtakatifu. Et comment le savoir? Na namna ya kujua. Tu sais, beaucoup de gens disent qu'ils ont le Saint-Esprit. Unajua, wengi unena kuwa wana Roho Mtakatifu. Mais la preuve. Lakini zihirishwa. Doit être biblique. Ya paswa kuwa ya kimandiko. Tout le monde va dire. Kila yeyote atasema. J'ai le Saint-Esprit. Nina Roho Mtakatifu. C'est bon. Ni vizuri. Mais si ce Saint-Esprit là. Lakini ikiwa yule Roho Mtakatifu. Ne se prouve pas qu'il est là. Ha zihiriki ya kuwa yuko. Vous êtes en train de mentir. Ni kwamba unadanganya. Et maintenant la Bible dit ceci. Sasa Biblia sema hivi. Nous sommes là-bas. Tuko pale. Romains 8, 9. Wa Roma 8, 9. Pour vous, kwenu nini? Vous ne vivez pas selon la chair, hamuishi sawa sawa na mwili, mais selon l'esprit. Bali sawa sawa na roho. Si du moins, kama tu, l'esprit de Dieu habite en vous. Roho wa Mungu anakaa ndani yenu. Et la Bible continue le dit. Biblia inaendelea ikisema. Si quelqu'un n'a pas l'esprit de Christ, na kama yeyote yule asipokuwa na roho wa Kristo, il ne lui appartient pas. Huyu si mtu wake. La Bible a déjà commencé à nier l'appartenance de certaines personnes à Dieu. Biblia imekwisha onyesha wazi kikana watu wasiokuwa wa Mungu. Si quelqu'un kama mtu n'a pas l'esprit de Christ, asipokuwa na roho wa Kristo, il ne lui appartient pas. Huyu si mtu wake. En d'autres termes, kwa maneno mengine, si quelqu'un kama mtu n'a pas le Saint-Esprit, asipokuwa na Roho Mtakatifu, il ne lui appartient pas. Huyu si mtu wa Mungu. Il peut appartenir à une église. Aweza kuwa mtu wa kanisa. Il peut appartenir à un ministère. Aweza kuwa na huduma. Il peut appartenir à quoi que ce soit. Aweza kuwa kwa izuru nini. Mais Dieu ne le reconnaît pas. Bali Mungu hamjui. Si quelqu'un kama mtu n'a pas l'Esprit de Christ, asipokuwa na Roho wa Kristo, celui-là huyu n'appartient pas à Dieu. Si mtu wa Mungu. Je vais répéter pour moi-même et pour vous. Nitairudilia ajili yangu na si je n'ai pas l'esprit de Christ, nisipokuwa na roho wa Kristo, je lui appartiens pas. Kwamba si comme toi. Je vais le dire pour vous. Naisema kwenu. Si vous n'avez pas l'esprit de Christ, nanyi msipokuwa na roho wa Kristo, vous ne lui appartenez pas. Nanyi pia si wa Kristo. Pourriez appartenir à El Bethel. Waweza kuwa wa El Bethel. Pourriez appartenir à votre église. Waweza kuwa wa kanisa lingine. Vous n'appartenez pas à Christ. Bali hauko wa Kristo. C'est comme pour dire. Kama vile kusema. Le Saint-Esprit, Roho Mtakatifu, c'est ça la chose la plus importante
qui prouve l'appartenance à Dieu. Ndicho kitu muhimu sana kinacho hakikisha kuwa ni wa Mungu. Et comment l'église ne pourrait pas prêcher ça? Na kwa nini kanisa halinga lihubiri hiyo? Parce que si l'église ne montre pas aux gens, ikiwa kanisa halionyeshi watu, ce qu'il faut avoir pour appartenir à Dieu, chenye yafaa kuwa nacho kwa kuwa wa Mungu, et le va prêcher du n'importe quoi, litahubiri haizuru nini, et après, na kisha, Jésus va dire aux gens, Yesu atawaambia watu, je ne vous connais pas, siwajui, quittez ici. Quittez. Et ils vont dire, na watasema, j'ai fait ça, j'ai fait ça. Mbona nilifanya hiki et na Dieu kina va leur dire, na Mungu atawaambia, vous n'aviez pas eu le Saint-Esprit de votre vivant. Vous n'avez pas eu le Saint-Esprit de Hamu votre vivant. Na Roho Mtakatifu mlipokuwa hai. C'est pourquoi d'ailleurs, ndio maana kwanza, 1 Corinthiens 2:12 dit ceci. Wa Korinto wa kwanza 2:12 nasema, il donne la différence entre l'homme animal et l'homme spirituel. Inaonyesha mtu nyama na mtu wa kiroho. L'homme animal, mtu nyama, c'est celui-là qui vit par la chair, ni yule anayeishi kwa namna ya mwili, qui n'a pas le Saint-Esprit, ambaye hana Roho Mtakatifu. L'homme spirituel, alafu roho wa kiroho, c'est celui-là qui a l'esprit, ni yule aliye na roho. Et n'oubliez pas que le mot spirituel dérive du mot esprit aussi. Neno kiroho yatokana pia na roho. En d'autres termes, kwa maneno mengine, vous avez le Saint-Esprit, ukiwa na Roho Mtakatifu, vous êtes spirituel. Uko wa kiroho. Vous n'avez pas le Saint-Esprit, usipokuwa na Roho Mtakatifu, vous êtes un homme animal. Wewe ni mtu nyama. Pas que vous êtes un animal, si kwamba uko mnyama, mais votre vie, bali maisha yako, est purement charnel, ni ya kimwili, qu'elle n'a pas même une conduite de l'esprit de Dieu. Et tout ce que vous faites, c'est la chair. Et quand vous mourrez, vous n'avez pas de place chez Dieu, parce que vous n'avez jamais eu son esprit pour lui appartenir à l'avance. Mutu wake kwa kwanza. Et n'oubliez pas, na lorsque vous avez le Saint-Esprit, wakati unapokuwa na Roho Mtakatifu, vous devez avoir l'évidence. Unapaswa kuwa na hakikisho. Vous ne pouvez pas l'avoir sans le savoir. Haupaswa kuwa naye ukose kujua. Vous savez, wajua, une femme enceinte, mama mwenye mimba, peut ne pas le savoir au premier mois. Anaweza kutoijua kwa mwezi wa kwanza. Mais au 9e mois ou 8e mois, elle ne va pas vous dire qu'elle ne sait pas qu'elle est enceinte. Lakini kwa mwezi wa 8 wa 9 hawezi sahau ya kuwa ana mimba. N'oubliez pas. Usisahau. Frère Branham nous dit ceci. Ndugu Branham anasema hivi. C'est dans la prédication qu'on appelle pourquoi le Saint-Esprit a-t-il été envoyé. Katika mafundisho yake aitwayo kwa nini Roho Mtakatifu alitolewa. Au paragraphe 5 il dit ceci. Kwa mtaji wake wa 5 ananena. Bon, sasa demain, kesho, ce soir nous enseignerons sur dans quel but Dieu a-t-il envoyé le Saint-Esprit? Katika shabaha gani Mungu alitumaka Roho Mtakatifu? À quoi sert-il? Na anafalia nini? Si c'est quelque chose de tellement glorieux, kama ni kitu cha utukufu sana. Alors, sasa, pourquoi Dieu l'a-t-il envoyé? Kwa nini basi Mungu alimtuma? Ensuite, demain soir, kisha kesho magharibi, nous pourrons parler sur. Tutaweza ongelea kuhusu. Est-ce qu'il est pour vous? Jérôme Takatifu ni wako? Je, ni wako? Et comment le savoir? Na namna kujua? Et comment savoir si vous l'avez? Na namna ya kujua kuwa unaye? Pourquoi le Saint-Esprit a été envoyé? Kwa nini Roho Mtakatifu alitumwa? Qu'est-ce qu'il fait dans les croyants? Anafanya nini katika mwamini? Et comment savoir que vous l'avez? Na namna ya kujua kwamba unaye? C'est pas le pasteur de vous dire que vous avez le Saint-Esprit. Si wajibu wa mchungaji kukuambia kwamba una Roho Mtakatifu. Vous devez le vérifier par les écritures. Unapaswa mchunguza kupitia maandiko. Je l'ai ou je ne l'ai pas? Eti je ninaye au sina naye? Je ne l'ai pas, je cherche. Nisipokuwa naye namtafuta. Ou je l'ai, je le garde bien. Nikiwa naye namchunga vizuri. Maintenant, sasa, l'important du Saint-Esprit, faida ya Roho Mtakatifu, vient d'être mieux expliqué. Il me toca kuelewe, que si vous ne l'avez pas, ya kuwa usipokuwa naye, vous n'appartenez pas à Dieu. Wewe si wa Mungu. Et c'est comme pour dire, kama vile kusema, si cet esprit n'est pas là, kama ile roho haiko, faites tout pour savoir comment l'obtenir. Jitahidi fanya yote uwezavyo kwa